quatrième étage, 407, c'est ça. C'est ici, 407 ? Ici. Oui. Par contre, vous coupez votre téléphone, monsieur. D'accord. Dans un premier temps, je pense qu'il serait mieux que l'on passe à la fermeture de tout le musée dans le sphère occidentale. Pourquoi ? Parce que il faut justement, si vous voulez, effacer la honte, effacer l'indignité. Je pense que ce sont des questions qui sont discutables. Je pense qu'il y a, vous voyez mon frère Gucci de la LDNA qui est là, donc nous sommes en train de... Dans sa récente commission dont il souhaitait la restitution, c'est qu'il y ait déjà en soi la reconnaissance de fait que la France a bel et bien pillé ses œuvres parce qu'il part de la restitution. Et ce qui est énervant dans cette commission, c'est que ces commissionnaires, si je peux les désigner ainsi, ont décidé justement de restituer 40 000 œuvres. 40 000 œuvres. Alors, vous allez restituer 40 000 œuvres. Vous l'avez choisi comment, sur base de quels critères? Et qui êtes-vous pour restituer 40 000 et en garder 60 ou 50 000 autres? Voilà ce qui est insultant. Parce que dans le musée du Quai Branly, c'est 90 000 pièces recensées, ou ainsi l'on peut dire, de l'Afrique subsaharienne. Toutes mes sœurs qui se sont déplacées, on sait que c'est une journée un peu compliquée. Et je voudrais que tout le monde puisse avoir dans l'esprit la date du 30 septembre. La date du 30 septembre parce que... Vous êtes de nationalité ? Nationalité panafricaine.